Incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, en los momentos más oscuros de la civilización, y este es uno, hay cosas luminosas y esta mesa es algo luminoso para mí. Es realmente un honor participar como moderador en esta discusión y es algo luminoso para todos los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a nombre de la cual me honra muchísimo darles la bienvenida. Ah, pues este privilegio que será para mí será ser testigo de honor de un diálogo entre dos de las grandes plumas, dos de las grandes inteligencias y me gustaría decir dos de las grandes conciencias morales, no solo del mundo árabe, sino del mundo todo. No voy a perder tiempo diciendo quién es Amin Maalouf. Amin Maalouf es un escritor al que hay que leer, no es un escritor árabe al que hay que leer, no es un escritor francés al que hay que leer, no es un novelista ni un ensayista al que hay que leer, es una lectura obligada para comprender el mundo en el que vivimos. Y lo mismo digo de Rumana Haddad, que es una amiga de larga data de la FIL, una poeta, una ensayista, una voz valiente, una voz literaria, una voz provocadora, una voz irreverente y una escritora a la que también hay que leer para entender los derroteros que vivimos actualmente. En este momento, en esta sesión, no me voy a ocupar particularmente de los últimos dos libros de ensayo de Amin Maalouf y de Rumana Haddad, porque son libros que tienen vasos comunicantes, a pesar de que uno imaginaría sus realidades geográficas muy cercanas y sus realidades literarias no necesariamente tan cercanas. Son libros que tienen muchos puntos en común, son libros que hablan de la identidad, creo que la identidad es un tema importante para ambos, creo que son libros profundamente morales, son libros que dialogan con la filosofía, son libros que dialogan con la autobiografía y son libros que nos hablan de un mundo que está en una profunda crisis, no solo política, social o cultural, sino también moral. Bueno, a partir de este momento voy a dejar de hablar español, voy a pasar al francés, que es la lengua, bueno, una de las lenguas en las que escriben ambos. Ambos escriben a menudo en ella, aunque no solo escriben en ella, porque además son políglotas. Et donc, nous vous remercions, nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous, Monsieur Maalouf, Madame Haddad. Et donc, nous allons commencer ce dialogue avec une provocation que je voulais vous faire. Une provocation biographique. Monsieur Maalouf est un écrivain franco-libanais ou libanais français. Madame Haddad est une soi-disant femme arabe, c'est elle-même qui l'a écrit. C'est-à-dire, elle ne répond pas à la vision que nous avons en Occident normalement de ce qu'est une femme arabe. Mais c'est en effet une femme, et c'est en effet une femme qui non seulement est née au monde arabe, est né dans le monde arabe, mais qui écrit en arabe et qui habite le Liban. Monsieur Maalouf habite Paris maintenant. Il y a plusieurs décennies que Monsieur Maalouf n'habite plus le Liban. Et Madame Haddad habite toujours le Liban. Au début de cette conversation, nous avons eu un petit problème technique parce qu'il n'y avait pas d'électricité au Liban, parce que le Liban vit une situation politique et sociale difficile à présent, et ça fait déjà plusieurs lustres, plusieurs décennies que la vie se déroule au Liban dans une situation très difficile. Il est aussi difficile d'être une soi-disant femme arabe au Liban. C'est plus difficile d'être une écrivain, d'être une poète, d'aborder l'érotisme, d'avoir des opinions politiques, j'imagine, dans le contexte du Liban. Ailleurs. C'est d'ailleurs pourquoi Monsieur Maalouf est parti du Liban il y a plusieurs décennies pour exercer son métier de journaliste, d'écrivain. Donc la question est toute simple, même si j'ai fait un préambule aussi long. Monsieur Maalouf, pourquoi partir? Madame Haddad, pourquoi rester? C'est effectivement une question que l'on se pose un jour. Moi, je fais partie des gens qui n'avaient jamais envisagé de partir. Il y a beaucoup de gens dans ma famille qui sont partis un peu partout dans le monde. Et moi, je ne pensais pas partir un jour. Et puis ça s'est décidé comme ça, du jour au lendemain. J'ai eu
le triste privilège d'assister à la première, au premier massacre de la guerre libanaise, le 13 avril 1975, sous ma fenêtre. Il y a eu un incident extrêmement grave qui est considéré aujourd'hui comme le moment de déclenchement de la guerre. Et pendant quelques mois, je me suis demandé si je devais rester ou partir. Je me suis rendu compte que le pays basculait dans une guerre qui était malheureusement qui allait être durable. Je me suis demandé, et je pense que c'est la question qui était la plus poignante pour moi, si j'avais le droit de laisser mes enfants, moi j'ai trois garçons, grandir dans une atmosphère où ils pourraient un jour prendre les armes, tuer quelqu'un ou mourir sur une barricade. Et j'ai eu envie de m'éloigner. À l'époque, je ne savais pas si ça allait être aussi long, mais je savais que ce serait long, mais pas 45 ans. Aujourd'hui, ça fait 45 ans que je suis parti. Et malheureusement, la situation, comme Joumana le confirmera, ne s'est pas beaucoup arrangée au cours des 45 dernières années. Joumana, pourquoi rester? Alors, bonsoir Nicolas, bonsoir Monsieur Malouf. Permettez-moi tout d'abord de dire que c'est un énorme honneur pour moi de partager cette table ronde avec vous parce que vous êtes l'un des écrivains, je ne vais même pas dire libanais, que j'admire le plus. Donc, vous pouvez imaginer combien je suis émue. Nicolas, c'est très opportun que vous me posiez cette question en ce moment parce que moi aussi, je suis en train de me poser les deux questions à la fois. Pourquoi rester? Mais aussi, pourquoi partir? Parce que la tentation aussi de partir commence à m'habiter. Pourquoi? Parce que j'ai aujourd'hui 51 ans. Je suis née en décembre 70. Et depuis le 13 avril 1975, je ne me rappelle pas d'un moment de répit dans mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence, ma vie de femme mûre. On est toujours en train de nous réveiller pour aller à la guerre, que ce soit une guerre dans le sens littéral du mot, ou bien une guerre politique, sociale, culturelle, humaine. Vous avez d'ailleurs parlé de la difficulté d'être une femme ou une femme arabe. Moi, j'en suis là, à la difficulté d'être tout simplement un être humain dans un pays où chaque jour, il y a quelque chose qui est en train d'essayer de tuer cette humanité en toi, de mille et une façons. Que ce soit en tuant l'espoir qui, en quelque sorte, nous donne cette envie de vivre et nous donne la force de pouvoir continuer. Là, il n'y a plus l'espoir au Liban, malheureusement. Je ne veux pas être l'une de ces voix macabres et funestes. Je suis en train d'être à 100% réaliste. La situation est dramatique. Nous sommes vraiment, même pas au bord de l'abîme, nous sommes dans l'abîme. Le titre de notre table ronde aujourd'hui est L'humanité après le naufrage. Nous sommes en plein dans le naufrage, Nicolas. Pour moi, ça a été très révélateur de lire Le naufrage des civilisations de M. Malouf, parce que tout au début, quand je commençais la lecture, je me disais, ce livre est très arabe. C'est un livre qui parle surtout du Levant, des civilisations du Levant, de l'Égypte, du Liban, de l'Israël. Et au fur et à mesure que je lisais, le livre se rapprochait de ma réalité occidentale, latino-américaine, c'est-à-dire dans un contexte tout autre, dans une génération tout autre. J'appartiens à la même génération que vous, Joumana, je suis né dans les années 70, mais dans un autre pays, dans un autre continent, dans un autre horizon culturel, mes expériences commencent à
à devenir de plus en plus proche des expériences. C'est-à-dire, nous n'avons pas de guerre civile, nous n'avons pas de conflit armé ici au Mexique, mais l'identité commence à devenir un problème assez grave pour nous. Cette méfiance vis-à-vis de l'État, cette méfiance vis-à-vis du public que M. Malouf analyse dans le naufrage des civilisations est de plus en plus fréquente. C'est-à-dire, il y a une ambiance de polarisation extrême, de violence implicite permanente et d'une grande méfiance vis-à-vis du public, vis-à-vis du politique, accompagnée d'un problème d'inégalité sociale qui ne fait que mettre en valeur des revendications identitaires qui finissent un peu par nuire au tissu social. C'est un peu l'image que je vois à présent. Et ce que je vois, c'est que cette réalité, le monde arabe, il la vit depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire depuis les années 40, à peu près, 50. M. Malouf s'occupe d'une façon très importante de la situation de l'Égypte, de cette expulsion de tous les étrangers de l'Égypte à la montée de Nasser au pouvoir, de la situation de la Palestine, de la situation de l'Israël. C'est-à-dire, est-ce que nous avons des leçons à prendre en Occident de ce qui s'est passé tout au long des dernières décennies au Moyen-Orient? Est-ce que l'Occident se rapproche maintenant de la situation politique, sociale, morale que vous vivez il y a longtemps au Moyen-Orient? Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais très révolté contre le système communautaire qu'il y a au Liban. J'avais l'impression que mon pays avait une spécificité extrêmement désagréable, que le reste du monde avait réglé ce genre de problème, et que nous, on était encore au point de savoir qui est chrétien, qui est musulman, qui appartient à telle ou telle communauté. Et j'avais envie que mon pays commence à ressembler au reste du monde. Avec le temps, malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit. Ce n'est pas le Liban qui a commencé à ressembler au reste du monde, c'est le reste du monde qui a commencé à ressembler au Liban. Les questions d'appartenance communautaire que je croyais être une spécificité de mon pays natal sont devenues en réalité des problèmes planétaires. Partout dans le monde, on a ces tensions, on a cette habitude d'affirmer avec force son identité. Il y a beaucoup de pays autour du Liban et ailleurs où la question de l'appartenance religieuse est devenue une question fondamentale pour définir la vie politique, la vie intellectuelle et de ce point de vue, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu a malheureusement acquis avec les années une valeur que je n'ose pas qualifier d'universelle, mais que ça s'est propagé comme une pandémie. J'ai le sentiment que cette région du monde a un effet d'entraînement pour le reste de l'humanité. La région du monde où se trouve le Liban, notre région natale à Joumana, à moi, c'est-à-dire ce que j'aime appeler le Levant, c'est la région qui a vu naître les grandes religions. C'est une région vers laquelle regarde une bonne moitié de l'humanité avec attente. Et si on voyait dans cette région un exemple
de coexistence harmonieuse, d'entente, d'une construction commune, je pense que cela diffuserait dans le monde des ondes positives. Le fait de regarder cette région et de ne voir que des conflits, des massacres, une incapacité à vivre ensemble, comme c'est le cas depuis des décennies, contribue à créer dans le monde ce climat extrêmement désagréable, extrêmement délétère, qu'on peut qualifier de naufrage. Mais ça fait longtemps que vous habitez la France, et je me demande si vous avez assisté à une transformation sociale et culturelle où ces identités exacerbées, où cette idée du communautarisme, non pas du point de vue politique ou juridique, ça s'entend, c'est-à-dire le gouvernement n'est pas divisé par quota en France, mais est-ce que vous commencez à voir un peu cet esprit d'intolérance et d'impossibilité à coexister avec l'autre et de recroquevillement vis-à-vis de la propre identité, aussi en Occident, aussi en France où vous habitez? Oui, je pense que c'est une situation qui est en train de se propager partout en Europe d'ailleurs. On a le sentiment que cette question que dans mon pays natal, on n'a pas réussi à résoudre, on n'est pas en train de la résoudre ailleurs non plus. Cette idée qu'il faut une sorte de contrat social qui permette aux gens de vivre ensemble, quelles que soient leurs origines, qui leur permette de savoir, de voir et leurs droits, les relations qu'ils doivent établir les uns avec les autres, cette question n'avance pas. En France, ça n'avance pas. On a d'un côté des gens qui utilisent les tensions pour promouvoir un agenda politique ou intellectuel. De l'autre côté, on a des gens qui prétendent qu'il n'y a pas de problème. Et donc, c'est une question qui est là, qui ne fait que s'envenimer. Et effectivement, moi, ça fait 45 ans, je disais que je suis en Europe, j'ai vu l'Europe changer. J'ai vu des pays qui avaient traditionnellement une attitude de grande ouverture, de grande tolérance. Je pense aux Pays-Bas, je pense au Danemark, je pense à beaucoup d'autres, et qui peu à peu, sous la pression des tensions identitaires, notamment celles qui viennent de la région d'où je viens, ont été transformées. Il y a une transformation sensible, année après année, un durcissement, une rigidité, un enfermement. Et personnellement, je n'aime pas accuser les uns ou les autres. Je n'aime pas dire aux uns, vous êtes racistes, ou aux autres, vous êtes des fanatiques. Je constate qu'il y a des tensions réelles. Comme j'observe ce monde depuis tant d'années, je sais à peu près comment ces tensions ont commencé et pourquoi elles se sont développées à ce point. Je constate qu'on ne fait rien pour les régler. Il y a dans le monde, mais peut-être qu'on y reviendra, il y a une incompétence totale des gens qui dirigent ce monde. Il faut le reconnaître. Bon, on n'a pas besoin de regarder ce qui s'est passé à Kaboul et ailleurs pour se rendre compte que les grands pays ou les petits pays ont une incapacité à gérer les problèmes du monde d'aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un des aspects du naufrage que nous traversons. Qu'est-ce qui est responsable de ces discours et de ces agendas identitaires? Les inégalités, c'est un problème de conception des lois, c'est un problème de politique sociale, c'est un problème de modèle économique héritier de ces révolutions conservatrices dont vous parlez à la fin des années 70. C'est-à-dire, pourquoi ce discours identitaire enflammé
est advenue en Europe et je pense qu'en Amérique aussi dans les dernières années. C'est difficile de donner une réponse précise. Ce sont des phénomènes extrêmement complexes. Tout ce que vous avez évoqué a sa part de responsabilité. C'est-à-dire le fait qu'on ait un peu dénigré l'État, qu'on ait voulu réduire le lien entre l'État et les citoyens, qu'on ait trop donné trop d'importance aux lois du marché. Ça, c'est un élément qui joue un rôle. Mais il y a aussi des facteurs purement culturels. Je pense qu'il y a des tensions dans le monde qui ont été exacerbées au moment de la fin de la guerre froide. Nous avons vécu une longue période où les conflits dans le monde étaient essentiellement idéologiques. Et il ne faut pas faire l'éloge de l'époque des conflits idéologiques, mais c'est une époque complètement différente de celle des conflits identitaires. Quand le débat est à caractère idéologique, il y a un débat. Quand c'est identitaire, il n'y a pas de débat. Chacun dit ce qu'il est et puis on se tape dessus. Il n'y a pas de débat véritable. Je ne suis pas nostalgique des débats idéologiques, mais au moins, il y avait un terrain de rencontre entre des gens qui viennent d'horizons divers. Aujourd'hui, les gens sont poussés par l'atmosphère générale dans le monde à affirmer leur identité, à se battre pour leur identité contre les autres et à... Il n'y a plus de véritable terrain d'entente et puis il y a un recul de l'universalisme. Moi, j'ai grandi avec des valeurs universalistes. J'étais persuadé dans ma naïveté que ces valeurs allaient prévaloir dans le monde entier. Aujourd'hui, dans mon grand âge, je me rends compte que ce n'est pas le cas, que c'est l'inverse qui se produit, que l'universalisme est en train de reculer, que les valeurs auxquelles j'ai cru sont marginalisées et on est dans un monde... où tout le monde est à couteau tiré, où... et ce n'est pas un monde rassurant. Quand je pense à mes petits-enfants, je me dis dans quel monde ils vont vivre. On est censé progresser, on a progressé énormément sur le plan de la technologie, on a pas mal progressé globalement sur le plan économique, mais les mentalités n'ont pas progressé. Je pense que les mentalités sont en train plutôt de régresser. Choumana, parmi vos livres d'essais, le premier livre qui vous a attrait le regard de toute la planète a été « J'ai tué Sherazade ». C'était un livre sur le féminin, sur l'identité féminine, en particulier sur l'identité féminine arabe, mais c'était un livre pas mal identitaire, c'est-à-dire c'était un livre sur l'expérience d'une femme dans un certain pays du Moyen-Orient et qui s'adressait à l'identité féminine en général. Votre deuxième livre d'essai, Superman est arabe, est un livre sur le masculin. Et c'est un livre aussi écrit depuis l'identité, c'est-à-dire qui caractérise une certaine forme patriarcale, surtout arabe, mais non pas seulement arabe, qui a beaucoup de connexions avec l'Occident et qui paraîtrait écrire aussi depuis l'identité, non pas l'identité religieuse ou l'identité politique, mais l'identité sexuelle. Et maintenant, votre livre d'essai le plus récent, Le Troisième Sexe, est un livre remarquablement non identitaire, c'est-à-dire vous parlez du manus, vous parlez de cet être auquel on devrait aspirer, et dont non seulement le sexe, mais la sexualité, les opinions politiques, la religion, la couleur de la peau, c'est-à-dire les questions identitaires
les traits identitaires ne seraient pas importants si cet être exercé d'une façon volontaire, d'une façon éthique, d'une façon responsable et joyeuse, son humanité. C'est-à-dire s'il se concevait comme un être d'humanité. Donc, vous vous éloignez pas mal de dialogue identitaire. Vous parlez, dans le livre même, de l'idée que l'idée vous est venue de faire un triptyque à la Hieronymus Bosch, où vous aviez en quelque sorte une thèse, une antithèse, une synthèse. Parce que, en plus, à différence de Hieronymus Bosch, vous l'avez fait dans l'ordre dialectique, quoi. C'est-à-dire, vous avez fini par ne pas parler de la femme, ne pas parler de l'homme, mais parler de l'humanité, bon, pas parler d'humanus. Est-ce que votre position a changé tout au long de ces années qui vous ont mené de J'ai tué Sherazade au troisième sexe vis-à-vis de l'identitaire? Est-ce que l'identitaire a changé dans ces années? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a éloigné de l'idée de il faut parler de l'identité de la femme dans ce pays, dans ce contexte culturel, et de l'identité de l'homme dans ce pays, mais aussi dans le monde en général, à parler de valeurs humaines universelles? Est-ce qu'on revient vers cet universalisme d'une génération précédente, comme celle de M. Malouf, ou c'est un processus personnel que vous avez subi pour arriver au troisième sexe? En effet, Nicolas, il y a eu chez moi une progression humaine et intellectuelle qui m'a conduit de J'ai tué Sherazade en 2009 jusqu'à Le troisième sexe en 2012 ou 2013. Mais en fait, ce n'est pas juste le fruit d'une progression ou d'un détachement voulu de l'identitaire, c'est aussi le fruit d'une suspicion de l'identitaire, parce que à chaque fois je remarquais que l'identité, ce qu'on appelle identité, est confondue avec un assemblage d'étiquettes qui sont le plus souvent héritées, qu'on n'a même pas choisi, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le privilège d'avoir sélectionné à partir de nos propres expériences, à partir de notre propre vécu, etc. Et que c'était aussi très rigide. Évidemment, je ne généralise pas, je sais que pour certaines personnes, l'identité est, comme elle devrait l'être, à mon opinion, une construction continue, un choix et non pas une imposition par héritage. Mais c'est comme ça. Je regardais autour de moi et je ne trouvais que des gens qui aveuglément défendaient, par exemple, leur religion du fait que, par pure coïncidence, ils sont nés chrétiens, catholiques ou musulmans sunnites ou je ne sais pas quoi, je trouvais des êtres humains qui mettaient l'élément humain en dernière ligne et qui insistaient sur ce que vous venez d'appeler nos spécificités et que ce que moi j'aime appeler nos coïncidences. C'est tout simplement nos coïncidences. Et donc, je crois que le problème qu'on est en train de vivre actuellement, ce naufrage, cette crise, est, comme vous l'aviez bien dit, le fruit d'une injustice économique, il est aussi le fruit d'une grande corruption politique, il est le fruit d'un opportunisme religieux, et je ne parle pas que de l'islam, mais il est aussi un problème beaucoup plus individuel et personnel. C'est un problème éducatif. Comment nous nous concevons? Comment nous apprenons à nous concevoir dès notre naissance? Quelles sont les valeurs qui sont instillées en nous? Quelle est l'image que nous avons de nous-mêmes? Est-ce que c'est une image fluide qu'on nous apprend à construire peu à peu, ou bien c'est une image qu'on nous donne et on nous dit
défendez-la, c'est notre identité, c'est votre identité, il faut la défendre à tout prix. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est ce détachement de l'identitaire est une leçon, aux plusieurs leçons que j'ai appris avec le temps, avec l'expérience, avec l'échange avec les autres. D'ailleurs, quand vous dites que est-ce que nous avons, nous, en Occident, des choses à apprendre du Levant ou du monde arabe, je me permets de vous dire que nous avons tous les deux, ou bien tous les trois, ou bien tous les mille, parce qu'il n'y a pas que... Je ne crois pas à cette dichotomie. Nous avons tous des leçons à apprendre les uns des autres, parce que nous avons tous presque les mêmes problèmes en commun. Au-delà de ces spécificités qui ont pris une dimension beaucoup plus importante qu'elle ne mérite, nous sommes avant tout des êtres humains qui ont besoin de s'épanouir dans la liberté, de s'épanouir dans l'égalité, dans la dignité et surtout dans le rêve. Et donc, oui, il y a beaucoup à prendre, mais pas que Orient et Occident. Le monde n'est pas Orient et Occident. Il est beaucoup plus que ça. Vous avez tout à fait raison et je pense que vous deux, vous êtes de très bons exemples de ceci et du pouvoir de l'éducation. C'est-à-dire, M. Malouf est un écrivain libanais, oui, mais qui a un lien privilégié avec l'Égypte de toute son enfance. Et l'Égypte a été une porte à d'autres cultures, à d'autres civilisations, et du point de vue du cosmopolitisme de l'Égypte de cette époque. Mais c'est aussi un écrivain qui avait un rapport très important avec la culture française depuis son enfance et qui a eu une éducation française. C'est aussi votre cas, Joumane. C'est-à-dire, vous avez appris à lire et donc à écrire en français, c'est-à-dire non pas à lire vos premières lettres, mais vous parlez, c'est très, très touchant, très émouvant, de cette découverte de la littérature dans la bibliothèque de votre père et cette lecture du Marquis de Sade à 10 ans ou à 12 ans, si je ne me trompe, qui vous a profondément marqué. Et qui vous a fait découvrir non seulement l'univers du littéraire, mais d'autres univers culturels, moraux, érotiques, etc. Donc, est-ce que une bonne idée pour avoir une idée plus floue, plus dialogique, plus tolérante de l'identité et de s'ouvrir à d'autres langues, d'autres cultures, d'autres expériences. Est-ce que ces ingrédients non libanais, non arabes, ces ingrédients égyptiens, français, cosmopolites, vous ont aidé, la question est posée pour tous deux, à remettre en question tout ce que vous pensiez de vous-même et de votre entourage ? Allez-y, Monsieur Malouf. Je pense que l'attitude la plus sage en matière d'identité, c'est d'assumer l'ensemble de ses appartenances. Et je crois que lorsqu'une personne oublie l'ensemble des appartenances pour ne prendre qu'une seule appartenance, qu'elle soit religieuse, nationale ou autre, cette personne devient dangereuse pour les autres parce qu'elle est en conflit forcément, elle transforme son identité en arme. L'attitude qui a ma préférence et que j'essaie d'adopter dans la vie, c'est de dire je suis un lieu de rencontre, chacun d'entre nous est un lieu de rencontre entre des appartenances différentes. C'est vrai que moi j'ai une composante libanaise, une composante arabe, une composante française, européenne. C'est vrai que l'Égypte m'a influencé, c'était le pays de ma mère. C'est vrai que
pas seulement d'ailleurs à travers mes origines, mais à travers mes lectures. Et là, je viens à la littérature que vous avez mentionnée. Je pense que la littérature nous donne cette dimension universelle. Nous avons tous été influencés par la littérature russe ou française ou allemande ou autre. Nous sommes, que nous le voulions ou non, dans la réalité, le produit de toutes sortes d'influences venues de partout. Nous sommes tous un peu américains, nous sommes tous un peu français. Et donc, si nous acceptons de faire fructifier toutes ces appartenances, nous devenons d'abord des porteurs de paix. Et en même temps, je pense que nous nous enrichissons, alors que si nous essayons de nous séparer d'une partie de ce que nous sommes en train de nous mutiler et de devenir dangereux pour les autres. Joumana, dans votre Eh cas? bien, dans mon cas, évidemment, l'ingrédient le plus important a été la littérature, c'est-à-dire la lecture m'a sauvé la vie. Je vivais dans un monde où tellement de choses ne m'étaient pas permises, non seulement parce que j'étais libanaise, mais aussi parce que j'étais une fille et plein d'autres éléments, que la lecture m'a permis d'avoir toutes ces vies qui n'étaient pas disponibles pour moi dans le monde réel. Mais je dois dire ici, pour être entre guillemets pragmatique, que la littérature, et je ne parle pas que du monde actuel porté à la technologie dans lequel nous vivons, la littérature a été et sera toujours un privilège. Non pas un privilège dans le sens économique. Moi, je suis d'une famille beaucoup plus que modeste, pauvre même, mais j'ai eu la chance de grandir dans une maison où mes parents et surtout mon père étaient un grand lecteur. Et dès que j'avais commencé à pouvoir lire, il me cherchait des livres, il m'incitait à la lecture. C'était le cadeau le plus important qu'on pouvait avoir, mon frère et moi. Et donc, c'est de cela que je parle. Ce privilège n'est pas nécessairement disponible à tout le monde, non pas à cause de d'une particularité du livre, mais à cause de l'éducation. Et c'est pourquoi je reviens à l'éducation, pourquoi elle est tellement importante, parce que c'est elle qui peut rendre l'enfant ouvert ou renfermé. D'ailleurs, j'ai une blague que je raconte toujours à tous mes amis. Vu qu'au Liban, par exemple, nous avons le virus du confessionnalisme, je dis toujours que si jamais je devenais présidente du Liban, la première chose que je ferais, et c'est une décision très dictatoriale, c'est de rendre les mariages dans une même religion, de prohibir les mariages d'une même religion, c'est-à-dire n'accepter que les mariages mixtes. Sinon, nous vivrons dans une chambre à écho et ce serait une vie tellement ennuyeuse tout d'abord et tellement pauvre. Et donc, je répète, la littérature, oui, quand elle est à la portée de ces jeunes, mais aussi l'éducation. Et l'éducation, non pas seulement à la charge des familles, c'est-à-dire non pas seulement à la charge des parents, mais aussi dans les écoles. Il nous faut un plan national pour remettre en question la façon dont on éduque nos enfants. Comment on nous apprend dès notre plus jeune âge à avoir peur de l'autre. De l'autre qu'on appelle autre, même s'il est tout à fait semblable à nous, mais on apprend à le désigner comme autre. Et c'est là où commence le problème et on n'en finit plus toute notre vie. C'est de ce point de vue que je commence à m'inquiéter et que je commence à avoir dans mon pays et dans mon continent un problème que vous connaissez bien depuis le monde arabe, qui est ce problème
non seulement de l'identité, mais de l'interdit. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'eux. Donc, ces politiques identitaires de nos temps nous mènent à dire « je suis hétérosexuel » ou « je suis homosexuel » ou « je suis bisexuel » ou « je suis transsexuel ». Quand la sexualité humaine est beaucoup plus complexe que ça, de dire « je suis, je fais partie d'une minorité oppressée » parce que je suis indigène, ou parce que je suis noir, ou parce que je suis femme, ben, moi-même, je suis assez blanc, assez noir et assez indigène. C'est-à-dire, j'ai les trois racines. J'ai des aïeuls britanniques, et j'ai des aïeuls africains, et je suis le fils de qui sont descendus d'Espagnols et d'indigènes, mais aussi de Vénézuéliens, mais mon nom de famille est un nom hollandais. C'est-à-dire, c'est compliqué. Ben, je ne sais pas si je fais partie d'une minorité oppressée ou d'une majorité oppressante. C'est-à-dire, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais il y a une dérive culturelle qui paraît nous pousser tout le temps à assumer une position identitaire rigide qui ferait de nous une seule chose. Je suis une femme indigène bisexuelle qui vit avec un handicap et donc je suis une minorité oppressée. Et je pense qu'il est possible d'être tout cela et de faire partie d'une majorité oppressante si est-ce que cela existe. C'est-à-dire, tout rapporte un peu de la caricature. Est-ce que ce discours identitaire que vous connaissez très bien dans le monde arabe n'est pas extrêmement nuisant pour tout le monde? Est-ce que nous n'envisageons pas un risque très important à commencer à le vivre en Occident? Évidemment, je vais commencer. Évidemment, mais moi, tout d'abord, parlons de l'intention qui était à l'origine de toutes ces spécificités qui sont mises en relief et qui veulent constituer une identité en quelque sorte subissant une certaine forme de discrimination. À l'origine, il y avait cette soif, d'ailleurs, tout à fait légitime, d'assumer la différence que chacun a, surtout dans des communautés qui ont été, disons, surtout pendant le 19e et le 20e siècle, qui ont subi des injustices. Mais là, je crois que, et je vais peut-être choquer avec ça, nous sommes arrivés à un moment où nous souffrons d'un cancer très dangereux que j'appelle le cancer du politiquement correct. Le cancer de ce que en Amérique du Nord on appelle le wokeness. On ne peut même plus dire un mot sans risquer d'offenser quelqu'un, une personne, un groupe de personnes, et moi je trouve ça très dangereux et très auto-censurant, surtout parce que ça va main dans la main avec l'ère des plateformes, c'est-à-dire comme Twitter, Facebook, etc., où très facilement n'importe quel mot peut devenir l'objet d'une guerre très vicieuse. Et donc, je comprends parfaitement l'envie de tout un chacun, et le droit surtout, non pas seulement l'envie, il faut dire, le droit de tout un chacun d'assumer à haute voix son appartenance à une communauté qu'il sent rejetée par les autres. Et c'est d'ailleurs une grande partie de ma propre lutte dans la vie. Autant
Je crois que les gens doivent apprendre à accepter beaucoup plus ceux qui sont en train d'apprendre le langage de ces différences, qui sont en train d'être initiés, qui ne sont pas complètement initiés, qui ne sont pas bien éduqués, au lieu de transformer chaque mot en une offense incroyable et d'en faire toute une histoire. Moi, je trouve ça vraiment très limitant, très suffocant. J'aimerais pratiquer mon droit, tout d'abord de dire ce que je suis en train de penser et de commettre des erreurs et puis d'apprendre de ces erreurs, au lieu d'être automatiquement jugé, censuré, exclu, ostracisé, etc. Je pense qu'il faut commencer à parler de ça parce que chaque jour, je rencontre beaucoup de discussions pareilles sur les social networks. Comment s'y prendre pour exercer cette fierté sans tomber dans le wokeness? C'est-à-dire, comment se prendre pour dire « je suis ça » ou « je suis partiellement ça » ou « je suis tout à fait ça » et « j'en suis fier » mais aussi « je ne vais pas faire un drame, un scandale chaque fois que quelqu'un assume une position légèrement différente, plus complexe, chaque fois qu'il n'y a pas un quota parfait dans un groupe humain, c'est-à-dire comment s'y prendre pour être moralement correct et non pas politiquement correct, c'est-à-dire pour avoir une vision au même temps fière et ouverte. Je crois que c'est un travail à deux, Nicolas, c'est-à-dire des deux côtés. Tout d'abord, du côté de la personne qui appartient à cette communauté, disons, à laquelle elle veut assumer son appartenance avec fierté, il faut un peu plus de tolérance à l'égard de l'autre, je dirais, ignorant, en quelque sorte, parce que c'est un trajet. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre tout de suite toutes ces nuances qui sont apparues, disons, dans les peut-être 20 ou 30 dernières années. Si j'explique 10%, par exemple, de ces notions à ma mère, qui a quand même 70 ans, qui n'est pas une femme de 100 ans, elle aurait de la difficulté à comprendre. Donc, il faut tout d'abord accepter que ce soit un voyage, cette éducation. Et puis, de l'autre côté, il faut l'humilité de dire « je ne savais pas, mais je voudrais apprendre ». Il faut une dose saine de curiosité à l'égard de l'autre et évidemment aussi de la tolérance, sans pour autant automatiquement déclarer la guerre entre les deux. Je trouve que c'est… Et en plus, la facilité avec laquelle les accusations circulent et deviennent des vérités absolues, ça aussi, il faut faire attention dans cette ère de fake news par excellence. Et donc, à chaque fois qu'une personne, même une personne qui n'a aucune crédibilité, je dirais crédibilité dans le sens public, pourrait lancer n'importe quelle accusation, et cette accusation deviendra une vérité, une étiquette collée sur le front de l'autre presque toute sa vie, je dirais. Et donc, un peu d'humilité, un peu de tolérance, l'envie d'apprendre, l'envie de progresser, mais aussi la compréhension, l'acceptation que ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps. Vous m'avez fait cadeau de la question pour M. Malouf, parce que vous avez parlé d'âge et de l'âge de votre mère qui a 70 ans. C'est à peu près l'âge de M. Malouf. C'est-à-dire, la question… Un peu plus, oui. 71, je le sais. Est-ce qu'il y a une différence… 72, même. Une vraie différence, 72. Est-ce qu'il y a une vraie différence générationnelle de ce point de vue? C'est-à-dire, est-ce que cette discussion que Joumana et moi, nous avons à présent et qui faisons partie de la même génération, vous semble
différente, vous semble lointaine du point de vue générationnel, M. Malouf? Oui et non. Il y a certainement des aspects générationnels. Par exemple, moi, les réseaux sociaux, je suis un peu, je garde mes distances, même s'il y a des gens de mon âge qui sont complètement plongés dedans. Moi, ce n'est pas mon mode d'expression normal. Et donc, c'est vrai que sur ce plan, il y a certainement une question générationnelle. La question du politiquement correct n'est pas aussi récente que cela. Elle se posait déjà il y a 20 ou 30 ans, on a commencé à utiliser ce terme. Et l'idée d'origine était une idée tout à fait légitime, c'était de dire il vaut mieux ne pas appeler les gens avec des noms qu'ils sentent comme insultants ou humiliants. Et ça, c'est une chose tout à fait légitime. Et c'est vrai qu'on a des habitudes d'appeler les gens d'une certaine manière, et ça ne coûte rien d'être à l'écoute de la sensibilité de ces personnes et d'utiliser d'autres termes. Puis il y a eu une dérive, qui continue d'ailleurs, une dérive qui fait que chaque fois qu'il y a un débat, les gens sont attentifs aux dérapages verbaux. Et cette attention au dérapage est devenue tellement pesante qu'elle est en train d'étouffer le débat. Et c'est vrai que le phénomène dont vous avez parlé, de wokeness, atteint des degrés d'absurde que, pour ma part, je ne peux pas accepter. Par exemple, si quelqu'un va parler dans une université américaine et qu'il y a des élèves qui disent que cela peut les choquer, et plutôt que de ne pas assister, ils peuvent demander que cette personne ne parle pas. Si Darwin, par exemple, devait faire une conférence aujourd'hui dans une université américaine, il y aurait toujours des gens qui viendraient dire que eux, en tant que croyants, ne peuvent pas écouter ce qu'il va dire à propos des origines des espèces, et donc ils demanderaient qu'ils ne puissent pas s'exprimer. À mon avis, là, on est arrivé à un dérapage qui n'est pas acceptable, et ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que les gens qui étaient, ou peut-être pas les gens, mais les tendances intellectuelles qui étaient traditionnellement en faveur de la liberté, de l'ouverture, se sont parfois convertis à une vision des choses qui est extrêmement rigide et dictatoriale. Moi, j'aimerais revenir à une plus grande liberté d'expression, à ne pas instaurer une police de la pensée et de l'expression, parce que ça nous guette. Et probablement, j'ai dit que je ne connaissais pas bien les réseaux sociaux, mais je sens que la présence et le poids des réseaux sociaux encouragent cette police omniprésente de la pensée et de l'expression, ce genre de Big Brother collectif qui est tout le temps là en train de vérifier si on n'a pas dit un mot avant l'autre. Ça, à mon avis, c'est en train d'étouffer l'expression et d'étouffer la pensée et d'étouffer le débat. Et dans notre monde d'aujourd'hui, je crois que, encore une fois, l'absence de débat et l'absence des valeurs universelles, des combats pour des valeurs universelles qui est remplacé par des combats sectoriels où chacun estime que son combat vaut mieux que les combats universels, c'est une dérive, à mon avis, dangereuse. Vous habitez maintenant en France, vous vivez dans ce contexte que vous avez très bien décrit, que Jomana a aussi très bien décrit tout le temps. Et vous avez décrit d'une façon très, très, très touchante, très émouvante, ce qui est advenu en Égypte
après la révolution et la montée au pouvoir de Nasser et l'expulsion de toutes les minorités étrangères, non seulement des Britanniques, mais aussi des Grecs, des Juifs, des gens venus d'un peu partout. Et aussi, j'imagine, même si vous en occupez moins, que c'était un peu l'ambiance du Liban des années 70, c'est-à-dire de ce Liban après ce que nous connaissons en Occident comme la guerre des six jours. Est-ce que vous voyez des rapports entre l'ambiance de cette Égypte des années 50 ou ce Liban des années 70 et cette France contemporaine du point de vue du débat culturel, de la possibilité de s'exprimer avec liberté? C'est difficile de comparer des sociétés aussi différentes et des périodes aussi différentes. Moi, je suis un passionné d'histoire et parfois je cherche des similitudes entre des époques historiques, mais les similitudes sont toujours dans quelques aspects, dans quelques traits, quelques détails, mais la France d'aujourd'hui ressemble peu à l'Égypte d'avant. C'est vrai que cette époque m'a fasciné, même si je ne l'ai pas vraiment connue. Je l'ai connue à travers ma mère. Ma mère m'a amené en Égypte à ma naissance. Je crois que je suis allé la première fois, j'avais 4 semaines. Et puis, elle a continué à m'amener jusqu'en 51, quand j'avais 2 ans. Et après, il y a eu la révolution et je ne suis plus allé. Mais j'ai vécu ce traumatisme à travers justement les récits de ma mère. Ma mère est décédée cette année à presque 100 ans et jusqu'au dernier jour, elle parlait encore de l'Égypte, de sa jeunesse en Égypte. Et c'était certainement, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, c'était certainement un moment extraordinaire de rencontre entre des cultures, des communautés différentes. Ces communautés n'étaient pas totalement innocente, disons les choses comme ça. C'est vrai qu'elle s'identifiait un peu trop aux Britanniques, qui étaient la puissance occupante, et elles ont été perçues par la population égyptienne comme des populations extérieures, ce qui a certainement nui à ces populations. Je crois que l'attitude sage de quelqu'un comme Nasser aurait été de réagir comme Mandela, c'est-à-dire de dire à un moment donné, ces gens ne se sont pas bien comportés pendant notre combat pour la libération, mais nous avons besoin d'eux et nous allons les accueillir au sein de notre nation, mais cela demande de la générosité et cela demande aussi une certaine atmosphère. Je crois que ce que Mandela pouvait faire à la fin des années 90 était dans l'esprit du temps. Ce que Nasser faisait dans les années 50 était aussi malheureusement dans l'esprit du temps. On pensait qu'on allait expulser les communautés étrangères pour éviter que le colonialisme revienne par la fenêtre après avoir été chassé par la porte. Il y a eu beaucoup de souffrances. La famille de ma mère, elle a émigré un peu au Liban, un peu aux États-Unis, au Canada. Ils se sont un peu éparpillés. Ils n'ont jamais oublié leur expérience en Égypte. Il y a eu beaucoup, beaucoup de cas comme ça, de communautés qui ont été victimes des bouleversements de l'histoire. Ce sont toujours des tragédies et je crois que souvent ce sont des tragédies qu'on aurait pu éviter, mais les dirigeants qui gagnent dans des situations pareilles sont ont rarement la sagesse et la générosité qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. C'est un peu de ça que vous parlez quand vous parlez dans le troisième sexe
du voyage de la compassionnelle, non, Jumana, c'est-à-dire d'être généreux, d'être aimant, d'être serviable. Est-ce que cela nous manque dans le monde contemporain, ces valeurs? Oui, mais ce qui nous manque aussi et surtout, je dirais, c'est la capacité d'être indigné. Je vois très peu de gens indignés et pourtant, nous devons vivre cette indignation par excellence parce que tout autour de nous doit nous indigner, tout ce qui est en train de se passer. Et je ne constate que de l'indifférence, beaucoup d'indifférence, ce qu'on appelle ces petites bulles dans lesquelles les êtres humains s'enferment pour, soi-disant, se protéger et protéger leur famille, se transforment en de petites prisons, de petits îlots qui séparent les gens les uns des autres. Mais je voudrais parler aussi, Nicolas, puisque Monsieur Malouf a parlé des communautés qui ont été victimes des tragédies. Je voudrais beaucoup parler de ma propre grand-mère maternelle, qui était arménienne, née à Gaziantep, et qui avait 3 ans lors du génocide arménien en Turquie. Et qui a vécu beaucoup de tragédies et de malheurs dans sa vie, de Ain Teb à Alep, et puis d'Alep à Beyrouth, beaucoup plus tard, pour enfin se suicider à 66 ans. Moi, j'avais 7 ans, et c'est moi qui l'ai découverte ce jour-là, le jour de son suicide, parce que chaque après-midi, nous allions la visiter, ma maman et moi. Et ça m'a beaucoup marquée, au point où j'ai finalement pu écrire l'histoire de sa vie, mais romancée. J'ai dû beaucoup inventer parce que parler d'elle est un tabou dans la famille de ma mère. Mais c'est pour dire que lorsque je regarde autour de moi, entre 1915, l'année où les Turcs ont commis le génocide arménien, et 100 ans presque après, plus de 100 ans après aujourd'hui, où la violence continue, l'injustice continue, l'intolérance continue, la haine de l'autre continue. Surtout, je parle en premier lieu de cette région d'où je suis et où je vis. Je me demande si ce n'est vraiment pas c'est-à-dire un destin. Même si je n'aime pas ce discours, mais ces identités meurtrières dont a si bien parlé Monsieur Malouf, est-ce qu'elles sont notre destin dans cette région du monde? Est-ce que Monsieur Malouf, et là c'est moi qui aimerais lui poser cette question, est-ce que Monsieur Malouf voit, est-ce que vous voyez une sortie possible de ce tunnel où nous sommes en train de gigoter sans trouver aucune issue. Difficile de répondre. Je n'aime pas diffuser le désespoir, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile à imaginer aujourd'hui. La région, hélas, n'a pas fini encore la dérive. La dérive continue. On ne voit pas encore une possibilité de se relever. Il y a un de mes personnages dans un roman qui dit, même quand on ne voit pas de lumière au bout du tunnel, il faut croire qu'il y a une lumière et qu'un jour on la verra. C'est ce que je dirais. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel, mais il faut se dire qu'il y a probablement une lumière et qu'un jour on la verra. Il faut peut-être l'inventer, cette lumière, pour pouvoir échapper à cette malédiction d'être né dans cette région du monde. Ça ne devait pas être une malédiction. Je crois que c'est une région qui avait des potentialités extraordinaires, mais
tout au long de nos vies, la vôtre certainement, puisque vous êtes né, vous avez ouvert les yeux sur un monde qui était déjà en train de s'écrouler. Moi, j'avais entrevu avant la possibilité de voir un monde qui puisse aller dans la bonne direction, que ce soit au Liban, que ce soit dans la région plus vaste. Mais c'est vrai que les espérances que nous pouvions avoir ont été déçues. Au Liban, le pays avait la possibilité d'être un phare, que ce soit au niveau de la modernisation sociale, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau des technologies. Je pense qu'il avait tout. Il avait l'élément humain, l'éducation dont vous avez parlé, qui était de très haut niveau et qui aurait pu faire de ce pays un pôle d'épanouissement pour toute la région. Et on a vu le pays se déliter, tomber, se désagréger en quelque sorte. Dans la région, il y a eu des moments où on pouvait espérer, à chaque fois, sans exception, l'espoir tomber. Dans la paix, par exemple, chaque fois qu'on voyait la paix s'approcher, peut-être, on était déçu et la paix s'écroulait. Les pays qui paraissaient pouvoir jouer un rôle de pour épanouir cette région, l'un après l'autre sont tombés. On se retrouve avec une région où il n'y a pratiquement pas de démocratie, où on n'a que des pouvoirs tyranniques, où une région en réalité qui a régressé, alors que dans le reste du monde, il n'y a pas eu de régression. Dans le reste du monde, il y a eu des hauts et des bas. Il y a des pays qui ont avancé, d'autres qui ont reculé. En Amérique latine, il y a des pays qui ont avancé plus vite, il y a d'autres qui ont stagné. Mais globalement, on peut dire qu'il y a eu un progrès. Dans notre région, c'est une dérive continuelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, la vie est en retrait par rapport à ce qu'elle était il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Quand vous imaginez qu'il y avait des presses libres dans des pays qui aujourd'hui sont dictatoriaux, et puis la diversité était réelle jusqu'à il y a quelques décennies. Il y avait des communautés importantes qui jouaient un rôle en Irak, en Syrie, et tout cela est en train de disparaître de plus en plus, et c'est profondément attristant. Je n'attendais pas cela dans ma vie. J'attendais autre chose. J'attendais de un épanouissement, un développement, et là, c'est vraiment profondément décevant. Voilà. Oui, moi je crois que, c'est-à-dire la richesse d'un pays ne réside pas dans ses potentiels et ses possibilités. Évidemment, le Liban avait beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités, mais ce que les habitants de ce pays font avec. Et moi, je ne veux pas croire à cette thèse de la guerre des autres sur notre terre, parce que, évidemment, même si partiellement c'est vrai, mais il y a une grande responsabilité du peuple libanais dans tout ce qui s'est passé. Et donc, peut-être il vaut mieux attendre que la lucidité au niveau, c'est-à-dire au niveau public, viennent et sauvent cette partie du monde. Il y a un manque de lucidité incroyable, une tendance
tragique à être facilement manipulé, surtout par les instincts religieux, ce qui démontre une certaine, je ne veux pas paraître arrogante, mais il y a une immaturité de ce peuple. Quand un peuple est aussi facilement manipulé par la religion, c'est vraiment... cette diversité sur laquelle insistent les dirigeants de ce pays, je ne parle pas du monde arabe en général, je comprends très bien ce que vous disiez à propos de la diversité et comment elle a peu à peu disparu ou elle est en train de disparaître. Mais ici, la diversité au sein de ce pays sur laquelle on insiste et on parle, on chante la chanson de la coexistence, c'est comme si on voulait rappeler tout le temps aux gens qu'ils sont différents entre eux et qu'ils doivent se méfier les uns des autres pour pouvoir toujours les gouverner par la corruption, les gouverner par la peur, les gouverner par l'aliénation, les gouverner par la terrorisation. Et donc, vous me demandiez, Nicolas, comment inventer l'espoir. Je pense qu'il faut surtout maîtriser l'art de la patience. Je crois qu'il faut beaucoup de patience parce qu'il faut du temps. Maintenant que vous parlez de la situation au Liban, je ne me suis jamais rendu au Liban. J'ai une très grande amie d'origine libanaise, très, très proche, mais elle est mexicaine libanaise, c'est-à-dire son père est né au Liban. Il est parti du Liban comme vous, Monsieur Malouf, pour des raisons politiques, économiques, enfin. Mais maintenant que j'écoute cela, ce que je vois, c'est que quand un pays arrive à une situation limite, et je pense que la situation du Liban est assez limite, l'identitaire peut nuire à la construction d'une idée de l'humain qui est au-dessus de l'identitaire. C'est-à-dire, le problème du Liban, c'est de s'assumer maronite ou sunnite ou chiite, ou d'emblée catholique ou musulman, c'est-à-dire dans une situation extrême, l'identitaire nuit à la possibilité d'une cohésion sociale et d'un respect de l'autre. Ouais. Est-ce que ce jeu européen et américain avec l'identitaire ne risque pas de nous mener dans cette voie? Allez-y. Je reviens un instant sur ce que vous dites à propos du Liban. Je crois que la question qui se posait depuis la création du pays, c'est comment faire en sorte que les citoyens qui viennent tous de communautés différentes se sentent d'abord appartenir à une communauté nationale, c'est-à-dire qui se sentent d'abord appartenir au pays, au Liban, et que l'appartenance à une communauté religieuse vienne après et ne soit pas le facteur déterminant des prises de position politique, sociale ou autre. C'était un combat possible je ne veux pas dire qu'il a échoué, mais jusqu'à présent, il n'a certainement pas réussi. C'est vrai que la montée des tensions identitaires dans le monde a encore rendu difficile, beaucoup plus difficile, la réussite de ce modèle. Là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire que cette montée des tensions identitaires a été le fait des autres. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans le monde qui ait décidé un jour qu'il faut que les combats soient d'abord identitaires. Je crois que
il y a eu une évolution historique qui a mené à cette réalité que, pour ma part, je déplore. Il y a eu, dans le monde arabe, la montée de certains courants religieux qui ont pris le dessus, alors qu'ils étaient pendant très longtemps des courants très minoritaires. Dans le reste du monde, on a assisté à la montée de phénomènes d'appartenance religieuse, ethnique ou autre, qui ont pris le pas sur, sur les appartenances de classe ou sur les appartenances à caractère intellectuel, idéologique. C'est difficile de dire que quelqu'un l'a décidé. C'est difficile de montrer un responsable. Je dirais que c'est l'histoire qui est responsable. Et c'est nous tous qui sommes responsables. Je pense que c'est à nous de modifier les choses. C'est à nous, par ce que nous disons, par ce que nous écrivons, par nos combats, de faire évoluer le monde dans une autre direction. C'est vrai que ça ne dépend pas d'une ou deux ou trois personnes, ça dépend, je pense, de toute une atmosphère dans le monde qui doit s'assainir pour qu'on ne soit plus dans la dérive actuelle, qui est une dérive qui mène, à mon avis, à étouffer la pensée et qui mène à des sociétés, à terme, à des sociétés autoritaires que nous ne voulons évidemment pas. Je vais revenir vers une phrase de Joumanin au sujet de l'indignation, et vous trouviez qu'on n'est pas assez indigné. Je suis d'accord et non, et maintenant, moi je n'ai pas lu Sade à 10 ans, ça venait un peu plus tard, mais j'ai lu Alexandre Dumas fils à 10 ans, et j'ai lu La Dame aux Camélias. Et là, il y a toujours une phrase qui m'a beaucoup frappé, qui est « c'est trop mais ce n'est pas assez ». Et c'est un peu, c'est quelque chose qu'Armand écrit à Marguerite vis-à-vis de leur rapport amoureux sexuel. Mais la phrase que j'adore m'est utile aussi pour parler de l'indignation dans le monde contemporain. C'est-à-dire, je pense qu'on fait pas mal de chahut pour paraître indigné, et les réseaux sociaux contribuent d'une façon très importante à ceci, c'est-à-dire on fait une performance, une indignation performative dans les réseaux sociaux d'une manière un peu constante, et on dit beaucoup de choses, et on se dispute, et on insulte des gens, et on dit que ce n'est pas possible, mais je pense qu'on est bien loin d'une idée de responsabilité sociale ou citoyenne. Et je pense que ça se passe un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, on dit qu'on est indigné parce que ça fait joli, parce que ça fait woke, parce que ça fait chic, mais on n'est pas vraiment indigné et on n'est pas dans la disposition de prendre en charge les idées politiques et la citoyenneté et la participation sociale. Ne trouvez-vous pas que ça fait un peu ça, Joumanin? Et vous aussi, M. Malouf? Évidemment, Nicolas, mais j'en parlais tout à l'heure. Je parlais de ce chahut que vous avez mentionné, mais le chahut et la performance, c'est pas de l'indignation. Moi, quand je dis indignation, je veux dire action. Et c'est pourquoi j'ai parlé d'indifférence. L'indifférence, c'est pas dans le manque de prise de position. Je dis cela parce que, surtout ici, et je reviens toujours au Liban, à chaque fois qu'une abomination advient, la première chose que les responsables ou ceux qui doivent être responsables, ceux qui gouvernent ce pays, la première chose qu'ils font, la chose la plus facile, c'est qu'ils font des conférences de presse pour exprimer leur indignation à l'égard de
etc. Et donc, non, ça, c'est pas l'indignation. L'indignation, c'est l'action, c'est-à-dire faire quelque chose pour que ça change, contribuer au changement, puisque le changement aussi, c'est une construction et ça prend beaucoup de temps. Mais il faut que chacun de nous y fasse sa petite part. C'est comme, moi je dis toujours que si chacun de nous cultivait son propre petit jardin, l'humanité entière se porterait mieux. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs, je parle de ça aussi dans Le Troisième Sexe, hein, le livre dont vous parliez tout à l'heure, pour dire qu'il ne faut pas nécessairement attendre les grands mouvements de l'histoire pour sentir que, voilà, on est en train d'opérer un changement dans le monde. De petites actions peuvent faire une énorme différence. Par exemple, lorsque, en éduquant mes deux garçons, moi j'ai deux fils, un de 29 ans et un autre de 22 ans, j'ai toujours répété à mes garçons, je me donne pas en tant qu'exemple, mais c'est juste pour vous dire, à chaque fois qu'un de vos amis raconte une blague homophobe ou sexiste, il faut lui dire gentiment que c'est pas très drôle et que ça peut blesser la sensibilité d'un homosexuel que vous ne connaissez pas et qui est là parmi vous, par exemple. Donc, la façon dont nous éduquons nos enfants peut faire une énorme différence. En parlant d'égalité, puisque ça aussi, c'est un combat qui n'est pas gagné et que nous partageons cette région du monde avec l'Amérique latine. D'ailleurs, ça m'a tout d'abord, lorsque j'ai publié « J'ai tué Shahrazad » pour parler des problèmes que la femme arabe et libanaise rencontre pendant sa vie à cause du machisme, j'ai été épatée, choquée par la réaction de plein de femmes qui m'ont écrit du Mexique, de la Colombie, de plein d'autres pays de l'Amérique latine pour me dire que le machisme, il n'est pas encore dépassé là-bas non plus. Donc, pour en parlant d'égalité aussi, la façon dont une mère éduque et élève ses enfants peut faire une énorme différence. Il y a beaucoup de femmes qui disent, par exemple, moi, qu'est-ce que je peux faire pour l'égalité? Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas écrivain, je ne fais pas partie d'une ONG ou d'une organisation, je n'ai pas de voix. Et tout simplement, commencez par éduquer vos enfants différemment, parce qu'il y a toujours jusqu'à maintenant, en 2021, des femmes qui disent à leur petite fille « Allez chercher un verre d'eau à votre frère ». Et ça, c'est pas anodin. Ça peut détruire la perspective qu'une petite fille a d'elle-même. Ça lui véhicule le message qu'elle doit être au service de l'homme et non pas partenaire de l'homme. Donc, c'est des petites nuances. Mais si chacun de nous fait attention à ces petites nuances, je suis convaincue que on pourrait faire une différence énorme. Monsieur Malouf. Oui, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, Nicolas, de la question de la responsabilité. Je crois que l'une des tares du monde d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la civilisation du zapping. Nous nous enflammons pendant un temps et on a l'impression que des choses vont changer. Et puis, 24 heures après, tout cela disparaît, cette indignation, cette colère, et on est en colère pour autre chose, ou pas du tout. Et c'est une attitude qui, à mon avis, a des conséquences très graves. Je pense que on n'a plus du tout de suite dans les idées. Cela explique peut-être en partie comment on n'arrive pas du tout à se battre contre le changement climatique, par exemple. Cela demande qu'il y ait un véritable combat sur le long terme, et en réalité, on ne sait pas faire, on ne sait plus se battre sur le long terme. On se bat et
Je ne sais pas si les réseaux sociaux sont une cause ou une conséquence, peut-être les deux. On ne sait se battre que très ponctuellement. On passe facilement d'une indignation à l'autre, d'une colère à l'autre, d'un sujet à l'autre. Et je crois que on diffuse un sentiment d'impuissance, un sentiment que rien n'est vraiment pris au sérieux, que rien ne changera jamais et que je ne sais pas si c'est une chose que l'on peut corriger encore, mais je le sens dans beaucoup d'activités aujourd'hui, cette impossibilité d'avoir un comportement sur le long terme qui puisse véritablement changer les choses en profondeur. Pour terminer, pour clore notre table ronde, je vais vous partager d'abord une expression mexicaine que j'imagine que vous ne connaissez pas, qui dit ⁇ Nous étions en foule et puis la grand-mère a couché ⁇ C'est-à-dire, nous avions pas mal de problèmes et tout de coup, c'est la pandémie qui est arrivée. En quel sens la pandémie va changer, va transformer tout ce que nous avons discuté pendant 1 heure et demie? Et est-ce que la pandémie, je ne veux pas être moi non plus le marchand du désespoir, est-ce que la pandémie pourrait avoir un possible effet bénéficieux pour ce naufrage des civilisations que nous vivons à présent? Moi, je voudrais juste dire une chose. Le dernier voyage que j'ai fait avant la pandémie, c'était à Guadalajara. Et c'était donc en décembre 2019. Et je garde le souvenir de cette époque comme si c'était un monde, le monde d'avant, en quelque sorte, puisque peu de temps après, les choses ont basculé et on est entré dans une autre logique. Et vous faites une Je citation n'ai. de Zweig consciemment du monde d'avant de Stefan Zweig. Ah, oui, absolument, absolument. Et le fait que le monde s'arrête subitement et que le monde entier s'arrête en même temps, en un sens, ça peut être porteur de quelque chose de positif, parce que nous avons besoin probablement de nous arrêter un peu, de faire une pause, de regarder sereinement le monde qui nous entoure et de nous demander où nous allons. Et le fait que l'humanité entière puisse se poser ces questions au même moment me donne le sentiment de quelque chose de positif en soi, quelles que soient les souffrances que nous avons eues pendant la pandémie. Le monde a besoin, je crois, de prendre l'habitude de regarder avec sereinement. On a besoin, quelqu'un avait parlé un jour d'un équivalent moral de la guerre. Et je crois qu'on aura besoin pendant longtemps d'un équivalent moral de la pandémie, c'est-à-dire que le monde entier s'interrompt pendant des périodes comme ça et qu'on regarde pour savoir où l'on va, parce qu'il est évident que quelque chose est en train de changer dans le monde. Et ça nous fait du bien de nous arrêter dans ce brouhaha continuel et d'essayer de voir où nous allons, parce que personnellement, je suis persuadé que nous allons dans le mur. Je suis persuadé, et pas seulement dans mon pays natal, je pense que le monde entier passe par une période extrêmement, extrêmement grave, dirigée par des gens je ne vais pas utiliser de termes insultants, mais des gens qui ne sont pas capables de le diriger et qui le mènent, Dieu sait vers quoi. On a besoin de repenser le monde, on a besoin de repenser où nous allons, où nous voudrions aller. Et
Et peut-être que ces moments de pause se révéleront finalement positifs. Joumana. Je trouve que c'est vraiment très, très original le fait que moi aussi j'étais au Mexique au moment où la pandémie s'était déclarée. J'étais arrivée le 10 mars et le 13 mars, j'ai dû partir à toute vitesse et regagner le Liban. Et là, tout le monde entier s'était renfermé. Évidemment, on ne peut pas parler d'un côté positif sans heurter toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. C'est vraiment, je trouve que il y a beaucoup de gens qui ont trop souffert à cause de cette pandémie. Mais si je dois, disons, choisir un aspect qui m'a été bénéfique, je dirais entre guillemets, je choisirais le plaisir de la lenteur, parce que nous vivons des vies trop rapides. Et la pandémie nous a obligés, malgré nous, à ralentir, à nous arrêter même. Mais je ne suis pas du tout persuadée que ce sera une leçon pour les êtres humains. Il apparaît que je suis l'oiseau de mauvaise augure de cette table ronde. Vous êtes tous les deux assez optimistes. Moi, je ne suis pas optimiste. Je sais, j'ai peu de foi, disons, dans la capacité de l'humanité à ne pas répéter les mêmes erreurs, à ne pas apprendre des leçons de son passé. Parce que nous retombons toujours dans les mêmes pièges ou bien dans des pièges qui ressemblent à des pièges précédents. Même, je regardais l'autre jour, même l'effet bénéfique sur l'environnement qu'a eu la pandémie à cause de la fermeture des usines, là, il a été complètement inversé. Donc, toutes les activités ont repris à 100%. Tout le monde veut se rattraper. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ressentent le besoin comme s'il y avait une année perdue et non pas une année gagnée qui aurait pu être passée dans la réflexion, mais une année perdue qu'ils veulent et qu'elles veulent rattraper à tout prix. Comme l'a dit Monsieur Malouf, le vrai drame, et c'est en premier lieu la raison pour laquelle nous n'apprenons pas nos leçons, c'est que nous sommes, et là je réclame mon droit de choquer, nous sommes dirigés par des voyous, non seulement au Liban, mais un peu partout dans le monde, des égoïstes, des mafieux, et donc cette prise de conscience qui est si nécessaire, disons, au niveau gouvernemental, public, qui pourrait être comme un phare, en son absence, que peut-on espérer de gens qui luttent tout simplement pour survivre. Je parle de survie parce que là, par exemple, au Liban, nous sommes dans le mode survie. Les gens veulent juste manger, dormir et pouvoir se réveiller le lendemain. Manger et évidemment nourrir leur famille. Et donc, toutes ces réflexions, tellement importantes d'ailleurs, je ne les qualifie, je n'attaque pas leur importance, mais c'est vous dire combien elles peuvent paraître un luxe à des gens qui sont complètement dépourvus d'espoir, de rêve, et qui sont en train de vivre au jour le jour. C'est infâme, c'est inhumain, je dirais. Parce que l'être humain a besoin de rêver. Quand on a le choix, c'est notre cas pour tous,
Un peu moins pour vous, parce que vous êtes au Liban, qui a une situation très difficile à présent, mais vous avez quand même la possibilité de parler, de penser, d'écrire, de discuter, de voyager. Du point de vue de ce scénario que vous montrez, que nous reste-t-il? La responsabilité individuelle? Ce serait là le plus qu'on peut faire? Moi, j'y crois. Oui? J'y crois à la responsabilité individuelle. J'y crois absolument. Parce que la responsabilité collective, elle m'a personnellement trop dessus et à plusieurs reprises pour pouvoir y croire. Il y a toujours un virus qui vient la rogner de l'intérieur et qui l'a fait s'abattre. Et donc, je crois à la responsabilité individuelle, je crois à cette hargne individuelle de vouloir avancer et faire avancer le monde, même à petits pas. Il faut juste apprendre à réaliser que ça ne se fait qu'à petits pas et donc apprendre à avoir le souffle assez long, parce que sinon, par exemple, chez nous, nous avons eu une révolution il y a 2 ans. Il y a beaucoup de gens qui désespèrent maintenant parce qu'après 2 ans, on n'a pas encore senti ou vu presque aucun changement. Mais il faut savoir que le changement, ça prend du temps, le progrès, ça prend du temps. Il faut continuer à s'impliquer. L'individu, ça peut être une très belle contagion à d'autres individus. Cette contagion d'un individu à l'autre, des choses belles, des valeurs belles de l'être humain, moi j'y crois. Monsieur Malouf. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde d'aujourd'hui. Je crois que la situation est inquiétante et je pense que nous avons tous exprimé diverses inquiétudes, mais en même temps, c'est un monde où si l'on dit quelque chose, on peut être écouté. Un monde où on a les moyens de changer si jamais on sait dans quelle direction aller. Et donc, le combat dans le monde d'aujourd'hui n'est pas un combat inutile. Je pense que c'est un combat utile et il faut mener, mais c'est vrai qu'il faut le mener à long terme. Il ne faut pas simplement faire des petites batailles de 48 heures avec la satisfaction d'avoir calmé sa conscience. Je pense qu'il faut penser le monde, il faut avoir une vision de ce qu'il faut construire dans le monde. Il faut avoir aussi la lucidité de voir qu'on va dans une direction qui ne mène pas au meilleur. Et je crois que pour les générations à venir, il y a beaucoup de choses à faire et c'est même indispensable parce que si on continue dans la même voie, si on laisse les choses dériver comme elles sont en train de dériver, que ce soit sur le plan des rapports entre les communautés humaines, que ce soit au niveau du climat, que ce soit à tous les niveaux, si on laisse les choses dériver, on va vers une situation cataclysmique. Amin Malouf, Joumana Hadad, merci non seulement de vos mots, de vos idées, mais de votre intention à agir. Merci, merci tous les deux. C'est un privilège, je suis Merci. très honoré. Y gracias a Merci, ustedes por Nicolas. Merci à acompañarnos. toi. Y gracias a ustedes por acompañarnos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Como saben, esta feria y ya todas en adelante son ferias híbridas. Tenemos una programación presencial en Guadalajara que se transmite al mundo entero. Tenemos esta programación virtual que nos permite reunirnos con París, con Beirut al mismo tiempo para escuchar a Amin Maalouf y a Joumana Haddad. Gracias a ustedes por acompañarnos. Soy Nicolás Alvarado. Muchas gracias.